Bonsoir tout le monde, j'arrive maintenant. Bonsoir tout le monde, salut Jidan, salut Minouche, j'espère que vous allez bien. Merci Jidan pour ce 15e mois de Prime, ou même pas de Prime, c'est pas du Prime toi. Le beau gosse Jidan qui régale à chaque fois 15 mois, et franchement depuis le début Jidan, depuis le début quoi. Donc franchement ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors attendez, qu'est-ce que vous avez dit là? J-4 pour Tekken 8, c'est vrai. Yo Kefren, comment ça va le Kefren? Tekken 8 tout à fait, et le training de Sephiroth pour battre Oncle Ben, tout à fait. Oncle Ben, je vais le marave à la pixel, voilà. Et il est interdit de prendre Kuma pour lui, bien entendu, il prendra Paul, et puis voilà. Hein, je vais y jouer Minou, je vais sûrement y jouer, mais pas dans l'immédiat parce que je vais pas le prendre tout de suite. Donc je vais me faire rétamer la gueule évidemment, moi j'ai Yakuza 8 à prendre et tout, donc voilà, j'ai dû faire un petit choix hein. Et puis voilà, effectivement j'ai une revanche à prendre contre ce monsieur qui m'a humilié. Une humiliation voilà, gratuite, vénère et tout. Vraiment voilà quoi, donc bon, j'aurai une petite revanche après à prendre. C'est un de ses mains, ah, parce qu'il en a plusieurs en plus. Monsieur Ben en a plusieurs quoi, un seul ça lui suffit pas. La rediff chez Raphaël, vous étiez chaud sur FF. Ah, je l'ai pas encore regardé, il faut absolument que je prenne le temps de regarder ça. C'était bien, bien alors, il s'est bien amusé le potocal là-bas. Ouais, revanche, on va voir, tranquille hein. Amorki, mais pas dans le jeu, Kuma et Heihachi. Eh ben, il prendra Jin, et puis basta, je prendrai Yakuza Kazuya, et voilà. Et voilà. On s'est bien marré, vous êtes bien, bien marré alors le Gaiden avant le Yakuza 8, oui, bien sûr, je vais le faire, mais Yakuza, je vous ai dit, je suis très très en retard, moi j'en suis encore au 5. Hein. J'ai le 6, le Kiwami 2, le 7 à faire, et le Gaiden. Donc, autant vous dire que c'est pas pour tout de suite le 8. Hein. Si je suis déjà en retard sur certaines séries, bah alors celle-là, grave en retard aussi. Hein. Et j'essaye de rush en plus. J'essaye de rush le 5 en me disant, vas-y, c'est bon. En plus, il est pas si incroyable que ça, surtout avec Haruka, qui est pas, son truc est pas fou. Là, je suis avec Shun Akiyama, je crois. Je me trompe pas de personne, enfin de nom. Et c'est beaucoup mieux. Mais j'essaye, tu vois, de pas faire les side quests, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est tellement addictif ce jeu que même les quêtes un peu pourries, les petites quêtes de merde, on est obligé de les faire parce que l'histoire elle est trop cool derrière à chaque fois. À chaque fois il y a de l'humour, il y a un truc à la con, il y a un truc qui te pousse à vouloir y aller et tout. C'est la narration de ce jeu, l'écriture elle est vraiment impeccable quoi. Donc ouais, c'est trop addictif et franchement à chaque fois j'y vais. Donc en fait je perds mon temps et en plus je peux pas jouer tout le temps. Mais j'aimerais bien faire un petit stream quand même dessus. Attends, je vous mets le son quand même de... Voilà, de ce petit Lost Odyssey, quand même, Lost Odyssey, hein, qu'on va terminer bientôt, je pense. Ouais, streaming Yakuza, pourquoi pas faire un truc, tu vois, sur Yakuza, pourquoi pas brancher la PS4 et puis, ouais, il y a moyen. En fait, le problème de streamer... Ah si, sur PS5 en vrai c'est large faisable. En fait je suis trop con, à chaque fois je me mets des petites barrières en mode ouais c'est plus simple sur PS, sur PC et tout, quand je suis avec mon petit setup là comme ça, mais c'est vrai qu'en fait je pourrais carrément le faire quand même avec le cher en fait, comme j'avais fait pour Street Fighter et tout, tu vois. Donc salut Jinch, comment ça va Jinch? Donc je pourrais faire ça. Ouais, en vrai il y a moyen que je fasse des trucs, mais aujourd'hui on se concentre parce qu'aujourd'hui c'est Lost Odyssey. On ne fera rien d'autre en stream tant que je n'aurai pas fini ce jeu. Voilà, c'est dit. Et peut-être que cette semaine, je pourrais stream plusieurs soirs d'affilée. Peut-être. C'est pas encore sûr. Donc alors, peut-être que ça va avancer plus vite que prévu. Je vous retiens au courant dès demain soir parce que si jamais... Je peux stream plus qu'une fois, deux fois par semaine. Demain soir, c'est stream. Je vous le dis direct. Demain soir, c'est stream si je peux. Et mercredi soir, c'est pareil. Je stream. Vraiment, j'ai mes nuits à faire, mais peut-être que je vais pas les faire. Donc, on va voir. Je vous dirai. Dans une grosse séance muscu, et je vois le live à peine rentrer, que tu vas dire, ah bah voilà, tu pourras te reposer devant le live. L'annonce... Non, bah, c'est pas l'annonce. Hein. D'ailleurs...
ceux qui étaient là avec le live de Cal la dernière fois là, attention, hein, attention, restez bien connectés sur mon Twitter. Je veux pas trop teaser, mais restez bien connectés sur mon Twitter quand même. Ces prochains jours, pendant un petit moment, il va peut-être se passer des choses. Donc voilà, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Vendredi, un stream toi versus Ben sur Tekken. Mais je n'aurai pas Tekken. Je n'aurai pas Tekken. Donc voilà. Tu n'utilises pas X. Ok. Eh ben, tu sais quoi? J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça, Jinch, sur ceux qui n'utilisent pas X. Donc, sur l'onglet YouTube Community. Community, là. Communauté. Putain, je vais l'attarder aujourd'hui. Je le partage. Je teaserai aussi là-dessus. Ok? Un truc. Et je le mettrai aussi sur cet onglet-là, comme ça tout le monde pourra voir. C'est quoi, je me suis endormi sur le live, il y a trop de monologues. j'ai juste teasé de surveiller X. C'est un rapport avec Final Fantasy Square Enix. Peut-être que c'est un rapport avec ça, mais arrêtez, on n'est pas là pour ça. Allez, vous savez quoi, on parle plus de ça, c'est nul. Nous, on veut ça, on est sur Lost Odyssey. On focus sur Lost Odyssey, ok? Et d'ailleurs, mercredi ou jeudi... je devrais aussi sortir non plutôt peut-être samedi, mais je devrais sortir normalement la première vidéo histoire de Final Fantasy Brave Exvius, hein, le chapitre 1 partie 1. Ensuite ça devrait aller tous les mercredis et tous les samedis pour une nouvelle histoire, nouvelle partie normalement. On veut savoir on est là pour ça avec Lost Odyssey. On est là pour Lost Odyssey. Il faut aussi qu'on s'occupe de ton beau tétou cette semaine si tu... Exactement. Et bah tu sais quoi, demain, s'il se passe ce que je voudrais qu'il se passe, on pourra le faire demain après-midi si t'es libre. Allez. Je enregistrerai dans le nuage. Je suis libre demain après-midi. Et bah écoute, il y a peut-être moyen alors. Il y a peut-être moyen qu'on se fasse quelque chose. Ok, je te retiens au courant, mais il faut que ça se déroule comme je veux que ça se déroule. Autrement, je suis au travail. Donc on s'est arrêté, rappelez-vous, dans les égouts, les fameux égouts, hein. Oui, c'était vers la fin du live de Cal. Tout à fait, c'était vers la fin du live de Cal. C'était vraiment tout à la fin, hein, vraiment. Tout à la fin où j'avais teasé un petit truc. Hein. Normalement, on gagne plus d'XP, donc je suis à la fin. On va aller taper le boss, je pense. Et puis... puis voilà, on devrait lui éclater sa tronche, je pense. Hein? Ou alors on y est presque. Ah, attendez. Vraiment, c'est bien ça, il faut qu'on passe par là. Donc voilà. Dans combien de temps? Oh là là, faut que je te donne mon avis. Donne-moi ton avis sur quoi? Il n'y a que mercredi après que je ne suis pas dispo. Ok. En plus l'annonce de ce free risque Reapers. Et peut-être que les annonces sont liées. Je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être pas du tout. Peut-être que ça n'a rien à voir avec Final Fantasy. Pendant une fois, je te rejoins totalement sur ton avis. J'ai terminé en 17h. Je l'ai adoré, hein. J'ai appris comme... Ah, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir de lire ça. Comme quoi, vraiment, ce jeu, il marque de ouf. Donc ça, je suis content. FF de Dio. Ah, si j'étais dans Rebirth, je crois que je pourrais même pas me tenir. Je niquerais tout. Et vous allez voir, l'annonce va arriver plus vite que vous le pensez, je pense peut-être. J'ai jamais vu Dio et Sephiroth au même endroit. Alors, je crois qu'on avait quand même résolu les énigmes, il suffit que j'aille en bas et puis en haut. J'espère. Parce que les égouts, c'est bon. Hein. Moi, je veux sortir des égouts, je veux voir la lumière du jour et je veux retrouver. Bah, j'avais ouvert un raccourci, mais regarde, en fait, le raccourci il est fermé. Il est refermé là, tu vois. Il est fermé là-bas, je sais pas pourquoi. Enfin, il me semblait bien que, effectivement, je l'avais ouvert. Donc ça me fait un petit peu peur. Si tu veux mon avis, ça me fait un petit peu peur. J'espère que vraiment je l'ai bien ouvert. Hein. Ton image de FF17. Alors oui, franchement, il serait pas trop dérangé à me créer dans FF17. Hein. J'ai juste des jolis poils. De barbe, évidemment. Hein.
Niveau des cheveux, ça va pas trop leur poser problème. On va retourner par là alors. C'est parce que je crois que c'était là-bas. Voilà. Et là, hop, on retourne là-bas. Là, on va monter les l'échelle. Ensuite, on va monter dans l'escalier. Kefren, merci Kefren, merci pour l'abonnement, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que Cal m'avait parlé d'une interview, mais non, aucune nouvelle pour l'instant. Je ne sais pas. En fait, c'est en bas qu'il faut aller là. Mais il faut que j'aille en bas par là pour réussir à aller là-dedans. Mais alors, où c'est que c'est? Faut que je retourne encore plus en bas, je pense. On va essayer d'aller voir. On va essayer de... Les égouts, c'est... Hey, franchement, par rapport aux égouts de FF12, ici, c'est trop dur. Je fais tourner le prime. Bah ouais, ouais, nickel. Bande cheveux cet après-midi. J'ai regardé une de tes vidéos sur la musique de FF7. Ah, sur la musique de FF7. Parfait, ça. Moi, il faut que j'aille. On est d'accord. On va voir la pixel, et bah on sera à la pixel, hein, Jinsha. Yo Fendrax! Alors, il y a une vidéo YouTube de la démo Rebirth, faite par un mec lambda. Je te partage l'info si tu veux voir d'autres points de cette démo. Ça se passe à la sortie de Calme. En vrai, j'ai plus besoin de voir quelque chose dans Rebirth. Donc je laisse, je suis sage. Les cofondateurs, Kefren, tu fais partie des meubles. C'est trop ça. Ah bah non, on rate pas, voyons. En fait, je devrais regarder mes lives avant pour savoir un petit peu où j'en suis. Parce que du coup, je sais pas du tout. Enfin, c'est pas que je sais pas où j'en suis. Je sais pas pourquoi. J'étais sûr d'avoir appuyé sur ce bouton, moi. J'ai rien en avance. Et je ne vous teaserai plus. Tu arrêtes, Jidan. J'ai vu tous ces fails. On va pas leur HP. Non, parce que j'ai pas le truc catalyseur. Si, je dois l'avoir en vrai. Enfin, pas la catalyseur, mais analyseur, un truc comme ça. Ah, je peux encore gratter un ou deux niveaux, peut-être, en faisant ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que du coup... Ah ouais, regardez, c'est sûrement ça en fait. Du coup, je peux plus passer là. Je peux pas revenir là. Là. C'est là qu'il faut que je revienne. Voilà, c'est un truc comme ça. Ah bah non, je suis encore là. Ouais, d'accord. Pas du tout. Pourquoi revenir là-bas? Ah, ici. Du coup, ton souci, les forces boss, je sais pas, c'est en lien avec Cédric ou Tristan. Alors, je sais pas qui est Tristan, pour le coup. Ou alors j'ai oublié, mais là comme ça me dit rien. Cédric, je vois, ouais, mais Tristan, je vois pas qui c'est. Et qui bosse avec Cédric. Ah, d'accord. Oui, d'accord, mais non, pas de rapport, mais je dirai rien, les gars. Je dirai rien. Hop. Je répondrai non à tout. Ah oui, c'est lui qui t'avait invité, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, Kefren, c'est un petit VIP quand même, les gars. On parlait à un mec qui a touché Rebirth avant tout le monde, là. Ok, Jidan, donc c'est quand même... Du coup, tu y arrives quand même? Tu peux changer ou pas? Toucher Kitase, ouais. Juste une question, c'est du très lourd l'annonce ou c'est lourd tout court? Ah, ça dépend comment tu le vois. Ça se trouve, pour vous, l'annonce va être absolument daubée du cul. Alors que pour moi, c'est une annonce... C'est une annonce très 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 lourde, tu vois. C'est un truc de ouf pour moi. Attendez, je pense qu'il faut que je rejoue avec les trucs là. En gros, dans le milieu, au début, il y a rond affiché, bah moi sur la net, c'est carré. Ah oui, oh putain, c'est relou ça.
qui pour revoir mon live juste à la fin, voir si j'avais bien appuyé sur ce putain de d'interrupteur au fond là-bas là pour le raccourci, parce que j'étais quand même persuadé qu'on s'était arrêté en mode ouais voilà, j'arrête là et comme ça j'aurai tout. Là il y a un délire aussi hein. Il y a même un coffre fermé. Genre ça. Ah bah je peux plus appuyer dessus. Là ça va là. Là j'avais appuyé, on est d'accord là-dessus. Tout va bien, j'ai appuyé, y a pas besoin de réappuyer. Voilà. On va remonter. Et on va voir. Un game japonais, espagnol, USFR, tu es trop loin. On va voir. Hop là, un petit coup de life. Je peux le niquer direct normalement avec lui. Bim! Voilà! Je continue Baton Kaitos, mon jeu du moment. Non, j'ai toujours pas continué. Question avant la sortie de Rebirth, s'il n'y a pas moyen de faire une petite vidéo type interview avec des youtubeurs FF genre toi, Kalazem, Joker, Chocomain Pace et tout. Franchement je sais pas s'ils auront le temps ou quoi, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, mais moi tu organiser des trucs comme ça. Ah mais non mais regardez, je suis trop con, regardez. L'échelle elle est là. Moi je sais que j'aurais pas le temps d'organiser ça en tout cas. Voilà, on y est. Je savais bien que j'étais pas si con que ça. Et donc j'avais pas activé ce raccourci en fait. Et maintenant que c'est fait. Là on va pouvoir re-sauvegarder. En plus on gagne un petit level et tout en même temps. Je pense qu'on est bon pour le boss, hein. Vraiment. Et là ce qui va être difficile, c'est qu'à mon avis, ce connard de boss, il va sûrement être un adepte de la magie. Et j'ai pas de mage. Et un truc comme ça va être une dinguerie un peu, je pense, à l'inverse des autres. Pour montrer que finalement, avec mage, que des mages, tu ne peux pas gagner quasiment. Et sans mage, tu ne peux pas gagner non plus. Boum. Et il tape fort lui, hein. Je l'aime bien. Je l'aime bien lui. Hein. Toltan il peut... Allez on va le faire passer niveau 36. Un peu du pseudo d'espagnol qu'on avait. Red il était cool. On va jouer stratégie. Ouais c'est ça. Faut vraiment la jouer strat. Il faut que je vous avoue quelque chose en même temps. Après le live la dernière fois avec Cal, Chronos et Styx, on est resté un petit peu en neuf et on a discuté. Nous avons discutaillé de choses et d'autres, voilà, de RPG, de Final Fantasy, de Kingdom Hearts, etc., etc. Et je repensais à Lost Odyssey, je disais que j'étais encore en live dessus et tout, et que c'était génial et que je kiffais, même si j'ai ragé et tout, que voilà. Et je me disais qu'à l'époque, ce jeu était quand même assez révolutionnaire. Encore maintenant, on le voit dans des mécaniques, dans certains trucs et tout. Et pour tout vous avouer, vraiment tout, ce jeu, c'est... c'était pour moi déjà à la base quand je l'ai fait, un peu le mode... Ok, ce jeu-là, c'est quand même l'espèce de Final Fantasy de la maturité. Vous voyez, ça s'appelait pas Final Fantasy, mais ça en avait tous les codes. Dont des références, des trucs comme ça, Ioannis, et du coup voilà, tu vois. Et je me suis quand même fait la réflexion, alors tout l'amour que j'ai pour l'autre jeu dont je vais citer, mais ce jeu là
Lost Odyssey. Il y a de l'histoire hyper tragique, il y a des destins vraiment de ouf, il y a de l'émotion, il y a de la géopolitique, il y a des scènes épiques, il y a des scénarios de malade et tout. Vraiment bien, comme je vous dis, de la géopolitique et tout, vraiment, vraiment sympa et tout, bien faite et tout. Très bien faite et tout. Et il est vrai que, en termes d'écriture, de narration, etc., 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 de gameplay, hein, tout simplement aussi, on peut le dire, je trouve que ce Final Fantasy, qui n'en est pas un, mais il est quand même au-dessus de Final Fantasy XVI. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais je trouve que en fait, il le faisait déjà à l'époque, ce que fait Final Fantasy XVI. Pas mieux, dans le sens où c'est pas le même univers et tout. Mais par contre, il est quand même... Si, en fait, mieux. Il est mieux que Final Fantasy XVI. Je l'avoue. Après, Lost Odyssey, c'est un de mes JRPG favoris de tous les temps. Donc, fatalement, voilà. Mais... Non, c'est pas un take. Parce que ça veut pas dire que FF16 fait un truc mal ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas en mode, ouais, FF16, il le fait mal, lui, il le fait mieux ou quoi. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il le faisait déjà, en fait. Et que c'était hyper bien fait déjà de base, en fait. Tu vois, donc vraiment, FF16 en fait, si on peut parler de, presque de plagiat dans ce cas-là, puisqu'il plagie Game of Thrones et tout, non, finalement il a même fait, alors FF Tactics, FF12 et tout, mais même celui-là, Lost Odyssey ressemble dans un sens, tu vois, il y a des trucs. Donc voilà, ça veut pas dire encore une fois qu'FF16 est pourri ou quoi, j'adore FF16, je trouve qu'il est incroyable en termes de scénario, de personnages et tout. Par exemple, je préfère les personnages de FF16 que, pour le coup, de Lost Odyssey, enfin, préféré. Kaim est un de mes héros favoris. Mais Clive aussi, du coup. Jill, voilà, ce genre de truc. Enfin bref, c'est différent dans le traitement, mais il y a vraiment des trucs... Je sais pas, je me suis dit, tiens, putain, en fait, des fois, ça me fait penser à FF16, dans le sens où géopolitique, enfin, certains discours, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Ciao, Kefren. Bon courage pour le taf. Putain, comment je suis content de t'entendre dire ça sur Lost Odyssey. Mais en même temps, c'est un très grand jeu, Lost Odyssey. Il a été injustement bâché, ce jeu. Voilà. Hein. Donc, prends planning pour live quand je bosse pas. Ok, je vais prendre ton planning, Kefred, y'a pas de soucis. La Tamina, ils ont joué à FF16 sans toucher la manette comme dans FF12. FF16 est pourri. Non, jamais. Jamais, je te dirais ça. Parce qu'FF16 est un grand jeu. C'est un grand Final Fantasy. Top 4. Voilà. Mais Lost Odyssey, si Lost Odyssey, allez, vas-y, confidence pour confidence. Si Lost Odyssey était un Final Fantasy, si vraiment il était dans la timeline Final Fantasy, ce serait mon favori. Voilà. Il encule tous les autres. Tous les autres. Voilà, c'est tout. Il encule tous les autres. Rien que l'intro, en fait, avec l'intro, il encule tous les autres. Et il a fait la même chose qu'FF7 faisait à son époque, c'est-à-dire l'intro de ouf. Par rapport au fait que on tournait la caméra et paf, on était dans le, enfin la caméra plutôt allait derrière le personnage, etc., dans FF7 et tout. Lost Odyssey fait la même chose en beaucoup plus épique et en beaucoup plus impressionnant, et personne n'en a parlé parce que c'était un jeu 360 et qu'on chiait de base sur les jeux 360 parce que oh my god, Sakaguchi la pute faisait du JRPG sur Xbox 360, la console des Américains, et pas chez Sony, donc il fallait bâcher le jeu. Voilà, c'est tout. Alors qu'en fait, il fait mieux que tous les Final Fantasy. Il est le presque le Final Fantasy ultime, j'ai envie de te dire. Donc voilà, j'avoue que voilà, hein, c'est un... Ce jeu, enfin, j'ai acheté la console pour ce jeu, hein, de toute façon. Donc voilà, hein. Voilà, confidence pour confidence, quoi. Lost Odyssey est un meilleur Final Fantasy que Final Fantasy. Voilà, c'est tout. Il y a eu 667 punchlines. L'aspect le plus légendaire de ta chaîne, ce sera FF13. Et de loin, on va y avoir des clips en pagaille. Ouais. Vous savez quoi, je suis vraiment très tenté, FF13, de le faire juste après lui, quand même. Hein, parce que vous, mine de rien, vous me chauffez quand même avec lui. Vous me chauffez quand même avec lui. Et j'ai commencé à regarder les liens de téléchargement très très légal. J'en ai peut-être trouvé un, mais j'ai plus de place.
toute place sur mon PC là. Ou alors je connais une autre technique hein, pour ça. Freeze, c'est Cypher, c'est Freeze. Dans le Game Pass PC, non, je prends pas à moi, Il y en a pas un de vous qui l'a sur Steam par hasard, parce que sinon on se prête la bibliothèque. Vous prenez mes jeux Steam, je vous prends vos jeux Steam. Et ouais, je sais qu'il y a un truc comme ça. S'il y en a un qui l'a sur Steam, il me prête sa bibliothèque, je le fais sur son Steam, et puis on n'en parle plus. Comme ça, j'ai la version avec les sous-titres Jap. Et puis voilà, hein. J'ai dit Christelle, utiliser le matin. Pire, on se croise et on paye le Game Pass. Non, on se cotise, on paye. Non, mais le Game Pass, j'en veux pas. En plus, on sait pas s'il y a la version Jap ou je sais pas quoi là, non? Après, j'avoue, vous me chauffez quand même avec F13 parce que je vais le détruire. Je vais vraiment le détruire, vous êtes tellement pas prêts à ce que je lui chie à la gueule. Même s'il y aura des qualités, hein. Bonsoir Greg63. Mince, ils attaquent tous le même. Ouais, c'est bon. Et combien F13 sur Steam? Je sais pas, honnêtement, mais à mon avis, il est trop cher pour ce que c'est. Gâchez pas votre fric, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, hein, en fait. 99, beaucoup trop cher, il faut qu'il soit gratuit ce jeu. Je prends, tu le fais. Non, je peux pas vous demander d'acheter le jeu vraiment pour que je le fasse, c'est impossible de faire ça pour moi. Alors, si j'appuie là, qui est pas ça? Ok, ça va tourner ça. Nous sommes encore dans une énigme, messieurs dames. Et ça le tourne jusque là, d'accord. Ok, perfecto. Quelque chose par là, ok. Donc là, ça peut le tourner peut-être là. D'abord, on va appuyer là-dessus. On va réparer, hein. Celui-là aussi a l'air détraqué. Cède. Et attends une seconde, maman. Je compte prendre tous les FF au Steam à l'occasion. Juste, je veux trouver un outil pour convertir des safe PS3, PS4. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah, comme ça m'active ça. Ça, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on passe d'abord là? Ou on va plutôt en haut et on regarde un petit peu là? On va plutôt aller en haut. Plutôt aller voir en haut ce qui se passe. Ah ouais, je peux même le tourner d'en haut en fait, c'est ça. Ah non, ça m'ouvre. Ça m'ouvre ça. Bien ça, c'est bien, c'est bien. Ouvre-moi des portes. Ah! Et je suis revenu au début. Donc là, ça me mettra un raccourci pour aller de l'autre côté pour choper le coffre. Très intéressant. Je l'ai sur ma console, mais ma console n'est plus chez moi. J'ai une question, c'est quoi la Steam? Steam, tu sais, c'est la plateforme de d'achat de jeux de Valve. Steam sur PC. Je sais pas si tu connais. Tu connais? Il y a des tas de jeux, des fois pour pas trop cher ou quoi. Alors c'est du Damat, évidemment. Objectif 2024, faire aimer FF13 et 10-2, et mettre FF5 en top 5 FF. À Nice, nous ne sommes pas dans une timeline où j'ai des goûts de chiottes. Hein. À part pour FF5 qui est très bon, mais... Voilà, comme le PS Store à peu près. Mais le reste, non, la timeline où j'ai des goûts de merde n'existe pas. Le truc de Nintendo, voilà, ou Game Pass, etc. Ou le Store Microsoft. Le monde mourant, ça, non, mais même mourant sur mon lit de mort. La dernière phrase que je dirais sera sûrement FF13, c'était vraiment de la merde. J'ai posé mes congés alors que FF7 River c'était toujours pas sorti figole. Dangereux, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer encore. Après, il y a j'ai vu qu'il y avait les FF7 Day là sur. Comment ça s'appelle? Ever Crisis. C'est un compte à rebours, hein. Donc il y aura peut-être quelque chose d'annoncé. FF7 Day, on sait, c'est le 31 janvier, donc ils vont peut-être annoncer la démo et la version Gold ou juste un des deux, tu vois. Oh, il a pas gagné d'XP du coup. Il est tout le temps pétrifié, non, c'est bon. Donc là, ok, on est revenu là. Oh bah dis donc, eh. J'ai un PC de merde. Donc pas de Steam encore. Attends, je vais trop m'en faire FF9 dessus. Même avec ton PC de merde, t'arriverais pas à faire... Il est trop lourd. Ou un report, putain. Faire un compte à rebours pendant un report, c'est vraiment des trolls. Hein.
Oui, je pense, Dylan, il y a forcément des trucs à mon avis pour mettre tes saves dessus. Et 200k. Ah ouais, il a quelques tiennes, 777, ça, bah évidemment, tous les 7 portes d'honneur. Mais c'est le bureau. Ah oui, d'accord. 97 ans, il aura tout connu, tout vu, c'est derrière moi, ça, puis son français, il fait ça, c'est vraiment de la merde. Les gens, je fais du teasing. Tu fais du teasing, Idan? Vas-y, tease-nous. Tease-nous, on veut voir ça. Mince. Tease-nous, Jidan. On veut voir ça, nous. Le teasing. Alors là, on avait dit que non, il n'y avait pas besoin d'y retourner. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et là, ok. Avant la fin de Rebirth, je vais faire un live Twitch Dissidia Operomia full boss que j'ai pas fait. Endgame tryhard. Ouais, ça peut le faire. Vas-y. C'est bon, ça. Jidan qui va se lancer dans le Twitch game. On veut voir ça. Ok, donc ça nous sert qu'à ça, d'accord. Maintenant il nous faut aller par là. C'est faux. Prochain Twitcher. Viens Tales of Arise. J'ai pas le coup de cœur, je me suis forcé pour voir la fin. J'ai mon pote Genesis qui a du mal aussi avec le jeu. Moi pour l'instant j'ai pas fait, donc je pourrais pas trop en parler. Juste le... Le début est pas foufou. Expérience là, l'expérience faut que je la nique parce qu'elle elle me fait de la merde. Je peux me lancer moi aussi, ben vas-y Minouche, lance-toi. Chat amourante. C'est pas rare que je fais des live Twitch et des jeux PS5 ou des jeux à l'ancienne. Hein. Non, c'est pour montrer à des potes. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait ça, Jidan. Sea of Stars, j'ai commencé 4 fois. 4 fois, je l'abandonne, je me force de vous. Oh non, Sea of Stars, sérieux? Merde. Moi, j'ai fait la démo de ce jeu et j'ai kiffé. Et là, je me suis préco la version boîte là qui arrive le 10 mai. Là. Je me l'ai préco de ouf. Mais c'est vrai, je t'ai vu Jidan faire du FF14 en live. Allez, descendons. De ce côté-là, nous avons donc, tac, le petit escalier, enfin l'échelle, pardon. Je suis pour le DLC, du coup je vais le revendre. Trop de générique, je trouve pas ça, pas de plus-value, ce jeu histoire me parle pas, d'accord, ok. J'avais fait la démo, j'ai vraiment kiffé, mais après je suis un grand fan de The Messenger, leur dernier jeu, enfin leur jeu d'avant du coup. Attendez, je vais direct là où il faut aller, là. Je peux pas me balader un peu. Quand même, je peux pas louper tous ces trucs. Messenger est drôle, moi je l'ai trouvé incroyable, et franchement je l'ai trouvé ultra surprenant. À la base, tu t'attends pas du tout à ce que ce soit un jeu comme ça. Ah, ça me fait chier de revenir là, mais ça se trouve, après, on va plutôt par là, moi, je dirais. Ouais, je pense que faut pas que je... Faut pas que j'y aille. Je pense. Je vais suivre mon instinct. Les Symphonies Ultimes, d'accord. Moi, pour mon pedigree de jeu, là, que j'ai terminé ou que je suis en train de faire... Actuellement, je joue à... J'ai terminé Mystic Quest sur Game Boy. Je vous en parlerai de ce jeu parce que je l'ai trouvé très très bon pour un jeu de 91, de toute façon. 91, je crois. Et du coup, j'ai commencé Secret of Mana, que je fais pour la première fois, vraiment, pour le coup. Et y a vraiment des trucs très très sympas dans le jeu. J'aime beaucoup le début. Système et tout de jeu, c'est pas mal. Et Mystic Quest, c'est le Mana A, c'est exactement ça, Anis. Il est très très cool et je joue aussi en parallèle un petit peu au RPG Chained Echoes qui est très 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 cool, vraiment
c'est un super RPG pour l'instant. J'ai fait 3 heures. Il est vraiment cool. Moi aussi, je suis sur Secret of Mana Remake. D'accord, bah moi, je suis sur l'original, du coup. Et si je l'ai fait, c'est pour une raison aussi. Chain the Cause, oui. Ah, il est vraiment surprenant, ce jeu. J'aime beaucoup, là. J'en suis à... Après le château, en fait. Après le château du début, là. On s'est tous fait griller, on doit fuir. J'en suis à là, on doit fuir du château. Très très cool. Le dynamisme des dialogues et des scènes est assez exceptionnel là-dessus. Hein, je dois... Franchement, GG. Alors attendez, moi je viens de là. Là, il y avait quelque chose. C'est fade. Ah ouais, vraiment. Mais pff, je vais commencer Dragon Dogma sur série X. J'adore Dragon. Mais j'avoue, c'est pas du tout mon style de jeu à la base. Ok. Il est génial, Dragon's Dogma. Moi, c'est un de mes jeux coup de cœur de la PS3. Ok, donc là j'ai certainement fait un raccourci ou un truc comme ça. Attendez que je me repère. Je vais aller par là pour voir d'abord ce qui passe. Un petit coffre. Pourtant je trouve que Sea of Stars dans ses mécaniques de combat ou même de... De comment, rien que de pouvoir être un peu en verticalité, genre de trucs et tout, ça a l'air d'être un peu plus astucieux et bien foutu aussi, mais Chain the Cause est vraiment, vraiment cool. C'est spécial après, Jinch, comment il s'appelle, Dragon's Dogma, c'est assez spécifique, hein, comme je sais, c'est pas un RPG comme on a l'habitude, hein. Moi j'ai adoré l'univers, et le gameplay et tout. Je trouvais ça absolument épique et tout de grimper sur les cyclopes et tout, lié à des alliés était vraiment top aussi. Ce qu'ils pouvaient apprendre, enfin vraiment un banger ce jeu. Nico, t'es pas prêt, le gameplay change souvent, ok. Après Chain the Cause, moi je suis un homme simple, hein. Il y avait des mechas dedans. Voilà, hein, ça m'a. Ça suffit pour me faire penser que c'est un grand jeu. Ok, donc là je suis en train de débloquer ce raccourci pour ça. Très bien. Mais j'aime bien parce que, en fait, ce que je vois dans Chain the Cause et Sea of Stars et même du Baldur's Gate et tout, c'est que tour par tour il revient quand même vraiment en force. Vraiment, vraiment en force. Et ça, je suis assez content parce que lui qui a été décrié comme pas possible. Ça fait plaisir. Et tu vois, là, je joue à ce jeu, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent vraiment pas. Ils sont capables de me dire, putain, c'est un nouveau jeu ce truc, parce que déjà, il est beau comme un dieu. Et puis, bah, le système de tour par tour, en fait, il est pas nul, quoi. Débloque des raccourcis pour ne pas s'en servir. Bah non, ça sert à rien, je sais où je vais. Je sais pas qu'il est nul, mais plutôt que je vais prendre du temps. Mais non, mais Jinch, après, si t'aimes pas, t'as le droit aussi, hein. Golden Sun 2D HD, imagine. Je signe, mais il faudrait aussi que je puisse jouer au premier déjà. À l'original. J'aime de plus en plus le tour par tour. Il faut que tu tombes sur des bons tours par tour. Là, les combats aléatoires, là-haut. Oh. Genre Octopath Traveler. Octopath Traveler, effectivement, qui revient aussi. Non, vraiment, il y a une bonne remontada de tour par tour. Ça fait quand même plaisir. Et pourtant, moi, je dis ça, je suis un fan du action RPG aussi. Hein. J'adore l'action RPG. Hein. Mince. Alors là, j'ai raté. Raté de ouf. Un jeu que j'aimerais bien rejouer, mais c'était sur Sega. C'est quoi ? Octopath Traveler 2, c'est cool, oui. Hop là ! Allez, die. Cool. Il s'appelait Cool le jeu. Je vois pas ce que c'est cool. Enfin, je suis sûr que ça me parle en vrai. C'est pareil, je pense que je débloque un raccourci pour aller de l'autre côté. Ah, et là je vais pouvoir prendre l'escalier avec... Enfin l'échelle, putain. Pour aller prendre le coffre, je pense. Oh mec, ça fonctionne de ouf. Bah oui, carrément. Moi je suis dans la merde, FF7 arrive. Pas de thune pour acheter la PS5. Oh non, Jinch. Tu peux pas te faire ça, Jinch. Il faut que tu sois avec nous. Faut que tu prennes. Ok, je pense que c'est ça. Ouais. J'ai dû faire le. Oui, c'est ça.
Regardez, là je suis de ce côté. Et je suis là, ouais, c'est ça. Ok, donc les deux raccourcis c'est fait, c'est parfait. Bouchon rouge, genre capsule. Eh, ça me parle. Yo Sora! Eh ben ça va très bien toi? Tu vas bien? Elle est juste à retourner là-bas. Non, pour les faits les RPG en général, le best combo c'est PC, PS5, Switch. Oui, mais sur Xbox tu as Lost Odyssey. Quand même. À part si c'est sur Game Pass PC, remarque. Je sais pas. Je crois même pas qu'il soit sur Game Pass tout court. Let's go. Moi qui pensais que c'était le boss juste après, j'étais loin. Alors tu en es où? J'en suis toujours aux égouts et ça se passe plutôt bien. J'avance bien, je débloque des petits raccourcis. En vrai tranquille, le niveau est pas trop mal, le farm est pas mal du tout. Je pense que je vais défourailler le boss. Voilà. Toujours au même point. Non c'est faux, on a un peu avancé, on avance. On avance bien. Ah ouais mais peut-être en fait avec ça les raccourcis je dois... Bah non je peux pas après. Donc très bien. Allez, on retourne là-bas. Et on va aller tout droit là-bas au fond. Hop là. On va là. On va là. Et je suis dans le raccourci. Ok, en fait j'ai fait le raccourci. Très clairement, j'ai fait le raccourci. C'est tout ce que j'ai fait. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille en haut. Je suis pas allé en haut, je crois. La PS5 Slip est pas ouf, non. Pas ouf du tout. Je viens d'en bas, moi, donc il faut que j'aille en haut plutôt. Je sais pas si je suis allé. Plutôt la pro. J'aimerais un jour une version HD de ce jeu. Pourquoi une version HD de ce jeu alors qu'il est déjà HD, super beau. Il a pas besoin de version HD. Il est déjà incroyable. Voilà, je débloque encore un raccourci. Et là, ça me débloque celui-là. Eh ben, on est pas mal. Regardez, la zone est pliée. On va foutre un petit coup de pied à ça, paf. Hop. Bah rate. Ah ouais, je rate. On va mettre de l'âme. Let's go. Une série S pas chère, un jour je la prendrai peut-être et faire toutes les exclus Xbox que j'ai jamais fait depuis le début. C'est franchement ce serait le meilleur truc et encore, même avec une X, je pense que tu peux en trouver à pas cher de temps en temps. Pour regarder ou truc comme ça, je pense qu'il y a moyen. Du coup, par contre, il y a quand même un truc que j'ai pas fait. Hein. Je suis pas allé dans un endroit là. Ah, est-ce que j'y vais ou pas? Parce que là, voilà, je suis à la fin. Mais hey, je suis à la fin. Est-ce que j'y retourne? Moi, je peux pas laisser ça. Ça se trouve, il y a un objet, il y a un truc, voilà. Le pire ennemi du joueur, les égouts. En vrai, ça va. Ça, clairement, ils ont mis 1000-0 aux autres avec les... Ouais, carrément. Xbox, oui, là-dessus, oui. Et ils vont nous mettre 1000-0 aussi en faisant... Alors, le jeu, je m'en tape, mais je trouve ça aberrant de pas proposer Hellblade 2 en boîte, alors que les mecs sont quand même Microsoft. Mais bon. Oui, retourne, on est d'accord, j'y retourne. J'y retourne, parce que je peux pas louper, ça se trouve, j'ai loupé un gros objet ou quoi, ou une potion. Et on dit pas non à 2-3 monstres en plus pour un peu d'XP. Microsoft, ça, mais ouais, mais c'est des putes, tu vois. Parce que le mec Phil Spencer, il y a quelques mois ou je sais pas quand là, moi je laissais le choix aux joueurs, je veux qu'on continue à faire du physique avec ça et tout. Ninja Theory, c'est leur studio. Et ils font pas de boîte. Bah, niquez-vous en fait.
Niquez-vous votre jeu de merde de Deadblade 2 là, déjà je comptais pas l'acheter parce que l'air d'être le 1 encore plus chiant. Bah là, là de la merde quoi. Je deviens fou dès que je loupe un truc. Ah j'aime pas ça non plus Minou, j'aime pas louper des trucs. Ah, attendez, la série X est mieux que la PS5 pour moi en termes de finition. Du coup, la fiabilité compte pas mal pour moi, mais sur la mienne, aucun X que m'intéresse. Je sais pas, en vrai, j'ai pas de problème avec ma PS5. Je suis pas. La X, je la trouve moche. Et je suis pas. Je suis pas un fervent admirateur des exclusivités Xbox. À part Starfield qui m'intéresse bien, et puis Fable, par contre, que j'attends beaucoup. Mais à chaque fois, ils me déçoivent, quoi, tu vois. Enfin, ça m'énerve. Moi, je viens d'en haut. On est d'accord que je viens d'en haut. On va partir d'abord sur cette porte-là. Il est aussi long que le 1, paraît-il, et le Blade. En vrai, la longueur du jeu, ça me dérange pas. Moi, je me base pas là-dessus pour critiquer ou quoi. Ça me dérange pas que le jeu soit court. Ah, comme ça, j'arrive là. Pas mal. Et le petit raccourci de la sauvegarde. Pas mal. D'ailleurs, je vais faire une save. Vous savez quoi? Je suis un homme prudent. 2024 est égal à prudence. Le 1, moi j'avais bien aimé en fait, dans Hellblade 1. Sauf que je trouvais. Enfin, je trouve que maintenant qu'on connaît les systèmes et tout, au niveau de l'audio, machin et tout, oui, bon bah d'accord, voilà, c'est bon, on n'a pas besoin d'en refaire un 2, quoi. Puis je trouve que le gameplay et tout, ça ressemble énormément au 1. Et voilà, je trouvais que le 1 était un bon jeu. Mais pas un truc de ouf non plus, quoi. RE3 remake, très bon jeu, très bon jeu, oui, tout à fait. Attendez, attendez, qu'est-ce que vous dites? La manette et le prix, je pense. La manette, je suis plus team PlayStation pour la manette, mais c'est parce que je suis habitué à la PlayStation. C'est beaucoup mieux. Après, c'est vrai que l'Xbox, c'est l'arnaque. Je préfère la manette Play ou la GameCube, la best manette. J'ai abandonné le remake alors j'adorais le 2. Ah, Cloud en mode Hellblade à la cité des anciens, ça peut être cool. Oui, ça peut être cool, oui, pourquoi pas. Mais ouais non moi la manette le remake pardon le remake de RE3 ah ouais tu l'as abandonné Ginge du coup t'as pas aimé toi? Moi j'ai adoré la revisite et j'ai adoré la prise de risque aussi du jeu de pas nous donner un petit peu ce qu'on attendait c'est-à-dire l'effroi le machin et trucs comme ça alors ok c'est un peu une trahison envers les fans et tout mais j'ai trouvé que ça que les autres ajouts étaient plus logiques et surtout les boss enlevés était plus logique puisqu'ils ont un peu rien à faire là-dedans. Ah tu détestes les sticks en bas, d'accord, ok. Bah donc fatalement PlayStation je comprends. Alors que moi je. Alors moi j'aime bien les sticks et tout aussi là où ils sont positionnés, ça me dérange pas. Tu vois, je suis pas forcément contre ou quoi. Moi le problème c'est les RT, RB, X, X, A, machin. Je me perds là-dedans. Je n'arriverai jamais à te dire où est le A, le X, le B, le Y et tout. En plus, chez Nintendo, c'est pas. La manette est un peu différente aussi. Donc, je n'y arrive pas. Pour moi, c'est croix, carré, rond, triangle. Ça reste le meilleur truc. Le L1, R1, L2, R2, c'est très clair. C'est très, très bon. Pour moi, c'est ça, quoi. Mais après, voilà, chacun c'est là-dessus. Je sais très bien que ça dépend de notre vision. Tu vois, moi, par exemple, le clavier souris, c'est pareil. Je n'y arrive pas. Je ne jouerai jamais au clavier souris parce que je n'y arrive absolument pas. Ok, il n'y avait pas grand chose, mais c'est pas grave. Oui, mais tu sais, ici on est entre nous. Hein. Il n'y a pas de haters de Xbox, de Nintendo, quoi. Hein. On joue, juste on joue. On peut émettre des critiques sur les consoles sans être un hater, ici. Mais pas sur X. Voilà. Moi je suis plus. Ouais, LT, LB, RT, RB, c'est compliqué. Comment tu connais? Moi j'y arrive pas à ça. Voilà, regardez la preuve, hein. Je fais un stream sur PC pour FF7, après je vais sur Xbox pour ça, j'ai déjà fait des streams PlayStation, machin, c'est bon, on est là pour kiffer, moi je vais, moi généralement je vais où le jeu m'intéresse. Alors, il s'avère qu'effectivement c'est plus souvent PlayStation que Xbox parce que j'aime beaucoup les exclus Sony, mais j'essaie d'avoir toujours toutes les consoles parce qu'il y a toujours, toujours, toujours des exclusivités qui m'intéressent partout. Et que des lecteurs de Pénélo ici. Et oui, oui, tout à fait. Les lecteurs de Pénélo
Elle est éditeur de FF13, FF12 et voilà. Et à partir de maintenant, vous allez être des lovers de FF12. Vous serez banni de mon live, ou alors vous me devrez de l'argent directement à chaque début de live, par exemple. Vous me dites j'aime pas FF12, en même temps vous donnez de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça peut, on peut fonctionner comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça peut marcher. On peut si vous le voulez vraiment. Alors, qui commence? Hater de Gears of Cerberus. Pas à l'époque. À l'époque, moi, tu sais, j'étais en pleine FF7, machin, on me proposait de jouer Vincent, gameplay un peu TPS, machin, j'aimais bien. Je sais pas comment je réagirais en y rejouant maintenant, et ce sera l'occasion, de toute façon, de le refaire avec vous, en live, celui-là. Voilà, ça, évidemment. FF12, je dirais pas de mal. Bien, je kiffe FF12, très bien. Je rappelle que j'ai la série X, car mon pote m'a offert sa X après moi de jeu. Ah ouais, d'accord, ce serait cool. N'empêche, le display FF7, tu es toujours Junon. Pas mal la strat pour faire hein, simultané l'original. T'as vu ça? Eh non, on n'est plus à Junon. On est parti sur Costa del Sol. Hein. On est sur la world map de Costa del Sol. Mais même pas. On est au Gold Saucer. On a passé le Gold Saucer. On vient d'avoir le buggy. Allez. Moi, pas trop. Enfin, l'histoire. Mais oui. Loupe un live ou quoi? Allez, vous êtes prêts pour le boss? Je me suis pas remis de la vie, quel con. Ah, son vaisseau. Le Nautilus. Attendez, il faut que je me casse, moi. もちろん。ああ、もちろん。こいつはウーラをめちゃくちゃにしやがった化け物じゃねえか。おい、そこどきやがれ。相棒との感動の出会いを邪魔すんじゃねえ。 Ok, c'est parti, je vois des petits trucs, la FF12, super FF1, 2, 3, 4, 9, 13, 15, 16. Ah, c'est marrant, tu mets pas le 11 et le 5, ni le 7 et le 8, alors qu'ils y sont. J'ai jamais appris un bat comme ça. Toujours un moyen. On va utiliser ça. Ah, ça veut dire élément de décor là. On va démarrer en balançant de l'énergie magique dans le moteur. Ah oui, le 6 aussi. Enfin, mon plan PS5, ok, ouais, ça va être dur. Le 10, c'est sorti. Ah, c'est marrant, t'as pas mis tout ça. Bah ouais, c'est drôle. Ok, donc là, attendez. Il y a peut-être des choses à faire quand même. Avant, hein. Moi je serais un G. Moi je serais d'avis de lui faire un combo dans la gueule. Perceuse, abattre. Inflige un okay, coup puissant. Coup membre. Ignore défi, défense. Ok. Je pense qu'on peut mettre abattre pour voir ce que ça fait. Et toi, tu peux faire ça. Terre. Allez, je pense qu'on... Est-ce qu'on le first try, celui-là? 212, oh ouais, d'accord, c'est de la merde. Puissance chargée, y'a que ça? Oh... Faut mieux quand même, hein. Augmenter là un peu plus. Ah! Il
Il a combien de vie? 8708. En vrai, ça peut le faire. Hein. Ça peut passer. Hein. On va direct utiliser des potions. On va pas s'emmerder. Hein. Ce que je vais faire, c'est que toi, tu vas continuer à faire ton petit combo. Et puis toi, tu vas faire des soins. Hein. Tu vas faire des soins à toi pour commencer. Continue de taper, toi. Ah, c'est long pour charger hein, quand même. Hein. Je me demande si des fois, ouais, faudrait pas mieux que elle fasse de la magie en fait directement. Je vais voir ce qu'elle a des sorts. Ah, tu vois, pyro et tout, ouais, je pense que je vais peut-être faire ça. Ce sera peut-être. Ça va peut-être nous avancer un peu plus. On va voir. C'est que l'énergie. En plus gros. Ouais. Tu sais que t'as l'énergie là encore. J'aurais dû faire ça dès le départ. Ah. Ça commence. C'est un boss là, oui tout à fait. On recommence. Hop. Attends, je peux pas faire un truc qui peut le... Ah oui, non, mais c'est coup puissant que je voulais faire à la base. C'est pas coup machin, là. Manqué. Ah, tu fais chier, toi. Je sais pas quand il joue. Mais vraiment, ça me plaît pas. Est-ce que j'ai un truc... Voilà une bombe là. Une bombe à quoi? Pour ça. Là faut y aller. Hein. Oui. Oui. Oh merde! Ça va. On a résisté. Ah. よし。
Ok, pilotage du vaisseau, les amis. Alors, qu'est-ce que vous racontez là? Parce que il y a des trucs intéressants, je pense avoir. Attends, attendez, mais un boss là, oui. Donc c'est un boss. Ban Jidan. Moi, je préfère le 2, mais faites-vous jamais histoire. C'est tout le reste que j'aime pas. Ouais. Je pense que Jidan, à un moment donné, il va falloir que je te banne un petit peu, hein, parce que on va continuer à dire des saloperies comme ça. Hein. Moi, je suis un gars du gameplay. Donc, FF12, c'est pas mon truc. Pourtant, le gameplay d'FF12, ah, c'est de la strat. Hein. Le 9, elle éclate carrément. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Le 9 éclate FF6. Un gars du gameplay, FF4 est en bas de la liste. Ah, ici, un joueur FF8 remake est annoncé. Tu aimerais quoi qu'il améliore par rapport à l'original? Honnêtement, FF8, il est parfait, quoi. J'adore, moi, FF8. Donc, je sais pas. Pour moi, FF9 représente au mieux ce qu'est Final Fantasy, Chevalier et tout. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Nul le boss. Ah non, le boss était bien. J'aime bien, genre, justement, tu vois, c'est un gros monstre et tout, mais il suffisait de faire un petit strat. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça que j'aime bien, moi, dans le genre de boss. Je préfère FF4 ou 6. Donc, en FF4, il y a de la stratégie. Le vieux directeur américain. Tous les FF, mais FF7, tu peux finir tous les boss en faisant que attaquer. Il, c'est le timing après, exactement. La stratégie, mais c'est pas pareil qu'avant, je pense. Oui, je sais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, il est incroyable. Bon, on va voir le directif ciel comme moi. Évitez les attaques virulentes des bernes magiques et échappez-vous des égouts. Voyez ça? La petite scène façon FF7, voilà. Hein. Pour esquiver les attaques des bêtes, suivez leurs mouvements et appuyez sur les touches. Y. Donc, ah bah voilà, là je vais me planter là. C'est sûr, là, vous devez appuyer sur la touche avant que la jauge. Ok. D'appuyer plusieurs fois sur la touche indiquée. Ok, il va falloir que je regarde là, parce que là je vais me planter. Là ça va être drôle là, parce que là je vais me planter de touche. C'est sûr. Chaque attaque réussie d'un ennemi déduit un point de l'icône PV en bas à droite de l'écran. Une fois la PV, ok. Non, c'est bon, on peut y aller. Ah, ça peut être que du QTE en fait. Je me rappelle plus toute cette scène. On dirait les armes, hein, c'est marrant. Alors attention, on va avoir un truc. Ok, c'est Y. Ah, c'est ça, ok. Vibe FF9 la musique, hein. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, avec Sakaguchi, avec ça, il avait vraiment. Je trouve que voilà quoi, ça déchire. Alors, il y a un peu de truc ou pas? Comment ça, ça va? Y encore, paf. Ah, ok. De toute façon, c'est un sans faute! B. On esquive. Et voilà, masturbation de la manette. Ça me connaît. J'étais un pro dans les QTE. Ah. Oh, j'ai fait une faute. X, voilà, X de merde. Pour moi, c'était croix, bordel de merde. La story, c'est trop bien. Non, non plus, je me rappelle pas de cette scène de combat en vaisseau. C'est quoi Y? C'est ça, triangle. Ah, seulement j'avais les manettes des trucs de la PlayStation là. Y. Ok. Y encore. Allez. Hop là. J'esquive, hop là. C'est quoi B, c'est ça. Go, j'esquive tout. Let's go. Alors un truc, attention. Allons. Trop cher la story, malheureusement. Malheureusement, bien trop cher, c'est dommage. Allez, let's go.
面白かったかい、王様。いや、私はもう王ではない。ただの男だ。それゆえになりたいものを見つけた。なりたいもの？一人前の男だ。どんな危険でもあなた方のように笑い飛ばせるくらいになりたいのだ。 ちょいとばかし物足りねえな、王様よ。一人前の男なんざ誰でも目指すもんだ。本気の男になりてえなら、オスになれ。オス？そりゃちょっと敷居高いよ、セド。 Ok, nous revoilà avec c'est le groupe de mages. Eh, c'est un épic de ouf quand même, hein. Vous voyez, c'était pas trop ouf ce machin là. Salut Mehdi, comment ça va Mehdi? J'ai pas fait Pandora's Tower sur Wii, mais je l'ai. Oh, Kill Bill, l'acteur en Kill Bill. L'acteur en Kill Bill, je vois pas qui c'est. Le seul jeu Wii qui est le boîtier noir. Oui, tout à fait, et je dois le voir de là-bas, je pense. Oui, je le vois là-bas. Ok, je cherchais tout le long de la voie, mais j'ai pas vu le train magique de Kaim et Sarah. Bill, du coup. C'est pas du tout d'ailleurs, ça met nous. Je crois que c'est pas vers l'est et que ça bifurque vers le nord. Ok, vers le nord, bon, pas d'équipe, Kaim peut se débrouiller. Commençons par descendre. Il y a des marches par ici. Let's go. Bon, bah, on est reparti avec eux. Hein. On est reparti un petit peu avec eux. Hein. Malheureusement. Je vais sauvegarder, mais est-ce qu'on en profiterait pas pour faire du level up, pour level up encore cette petite connasse Non, ça je pourrais le faire plus tard. Alors. J'espère que c'est pas les Vélociraptors. C'est pas bon ça. Pas bon du tout ça. Et c'est Terra pour le vent, je crois. Non, c'est le feu. Je sais plus. Après, on a un peu plus maintenant. Ouais, fait chier. Après on a ça maintenant, pareil, on a lui aussi quand même, on a quand même lui. Donc on peut peut-être faire quelque chose. Peut-être moyen d'être moins... voilà, moins défouraillé. Je
Oh, je peux quand même défoncer. Dégâts plus plus, donc ça tombe. Ouais, le bouclier est fait, on se prendra un peu moins de dégâts déjà. Et en plus on peut se faire des zéphyrs, on peut se soigner et tout. Là on a quand même des trucs où voilà, on peut quand même y aller quoi. Dungeon truc sur PS4, j'espère que c'est pas un remake ça. Continue. Compétence, t'as ça, d'accord. Tes sorts, t'as pas grand chose après. Défends-toi. Non élément à tous les ennemis. Est-ce que je peux faire ça hein? Astria Ascending. Je vois ce que c'est Astria Ascending aussi, ouais. Allez, protège-toi, toi. Continuez. Faire ça. Un Zephyr, c'est pas grave, continue. Je sais pas si eux ils vont arrêter de faire des cris à un moment donné. C'est les pires ennemis. C'est les pires ennemis du jeu. Les pires. Est-ce que ça tue beaucoup ça? Ça tue. On va dire que ça tue quoi. Continuer à faire, je pense. Oui, à chaque épée, je gagne de l'XP à chaque fois que je l'ai. Que je fais ça. Hein. Putain. Trois, l'autre, il a. Ouais, je vais lui faire arrêter, il va attaquer. Hein. Ah, attendez. Donne la pause. Je pense que c'est ça qui fait chier là. Quitte. Et attaque le donne la pause. Il a plus de garde de toute façon, ça devrait faire. Ouais, c'est le spot de farm. Ouais. Moi j'en veux pas du spot de farm là. Ah non, ils peuvent tous le faire, ok. Spot de farm, mais il fait trop mal, franchement. Ils font beaucoup trop mal. Ah, lui, il est feu, lui. Pas du tout le même, le gars. Continue. Hop. C'est qu'avoir 3 mages ennemis, c'est compliqué quand même. Hey, il est dur lui. Ah, j'ai plus de garde en plus. Oh là là. Je vois qu'au début du jeu, c'est normal. C'est un truc de ouf, je sais même pas où donner de la tête. Hein. Je sais même pas où donner de la tête. Toi, tu vas refaire un bouclier parce que je sens que qu'on est plus fou. Et puis toi, tu vas. Toi, tu vas faire l'ombre quand même, hein. Mais bon, même si ça met du temps. Hein. Et ils sont revenus au normal là. Oh putain. Yeah.
Je peux pas. Hein. Je peux pas en vrai. Hein. Je suis désolé, mais eux, c'est impossible. Ils sont impossibles. J'ai trop une équipe de merde. J'ai une équipe de teubés. C'est pas possible. Hein. Vous vous rendez compte d'où je vais recommencer là? Si je perds, j'aurais dû fuir direct. Ils sont impossibles. Ils sont impossibles. Franchement, je peux pas. Je peux pas, l'équipe elle est trop merdique, ils me foutent avec une équipe qui ne peut pas se battre contre eux. C'est impossible. Je veux fuir. Ah, en fait je vous le dis, si j'ai game over, j'arrête de jouer, hein. C'est direct. Hein. Putain, ça m'énerve d'avoir cette équipe de merde, hein, sérieux. Vivement qu'ils arrêtent. Hein. Là, je vais mettre fuite sur tous les monstres et je pense. Et puis voilà, ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Si j'ai pas de mecs, ils sont trop nuls. Yo, père cheval. On va quand même vous mettre des gélules là. Non, j'en veux plus de. Je veux me barrer. Oh voilà, putain, allez, ça dégage. C'est un poids, non, tout est un poids, franchement ils mettent trop de temps, eux ils ont vraiment en plus tous les trucs pour nous faire chier en fait. Ils ont absolument tous les trucs. Imagine le CD1, FF7 Remake, FF7... ouais, sur le téléchargement. Ah non, ça va, je regarde, je me suis tiré. Ça va aller maintenant. On va aller au camp de réfugiés, tout va bien se passer. Non, c'est pas ouf, mais en même temps, elle est pas ouf, j'ai pas envie de la prendre. Ils m'intéressent pas, ces deux personnages, ils sont nuls. Là, on va pouvoir peut-être un peu farm pour cette conne, mais. Mais je veux pas de raptor, hein. Impossible, je veux pas de raptor. Non, bon, on pourra pas farm. Je farmerai avec elle au CD4. Au cas où j'ai encore une douille. Pourquoi est-il tant de monde? Dans les états que les réfugiés gothiens se sont rendus après le grand gel. C'est-à-dire qu'on a la sécurité ici. Enfin, je peux en piquer un petit roupillon. Ouais, la sécurité. Et enfin, enfin la sécurité. Salut monsieur, ça m'est fini les gothsars. Glace, la gastabition, comme un horrible monstre, tout a été pulvérisé d'un coup. Un froid de canard dehors, mais les sources chaudes maintiennent l'intérieur en bonne température. Une chance que j'ai trouvé cet endroit. On te donne un fond ici, il faut serrer les coudes. C'est un difficile. Ils ont tous un prénom, hein, mine de rien. Pas PNJ 1, 2, non, ils ont tous un prénom. Allez, vous reposer. Alors, sauvegarder. Moi, j'aime bien la prudence, j'ai dit. La prudence. Enfin, 23, je les vois bien faire un collector 3 CD avec Remake Reverse. Ouais, je pense aussi qu'il y aura un délire comme ça. Hein. Ça va être fou et on va tous le racheter, hein, comme des pigeons, évidemment. Bien évidemment. Salut, toi. On va bien faire une évolution d'un moment à un autre. Ouais, bah. Bon, je pars. Quelqu'un ne craigne pas le froid. C'est quoi ce que je vois sur mon espèce? Tout le monde est gentil avec moi. Évidemment, on va l'acheter. Vraiment, attendant les cousins, je me suis lancé dans Golden Sun sur Switch que j'avais jamais fait et pas le World accessoirement. D'accord. C'est vraiment le boss. Il y a un Yakuza avec New Game Plus payant. T'en penses quoi? C'est une bonne idée. Quoi? Qui a fait ça? Il y a un Yakuza avec le New Game Plus payant? Quel. Putain, c'est une rumeur ça. Bah j'espère bien, ouais. Il faut vraiment être un gros fils de pute pour faire quelque chose. Truc payant, non. Oui, je vais assembler un anneau. Ouais, tu vois, je peux faire que ça. C'est pas dingue. Oh là là, quoi, vous avez des clients, non? Elle est pas cette R6 s'y a battu. Non, c'est que, en fait, des monstres rôdent autour du camp.
particulièrement bien organisé, c'est inhabituel. Organisé? C'est des raptors? Non, je peux vous commander un service? Et Gaplos! Non! Pourquoi c'est eux? Pas possible. Non. Non, je ne t'aiderai pas. Attirer l'attention de leur chef donne la plosse. Le vin que nous débarrassera sûrement de tous les autres. Oh putain, ça veut dire qu'il faut que j'aille là-bas. Pourquoi j'ai rien fait? Putain, faut que j'y aille, ça veut dire. J'y retourne. On sait qu'il faut que j'y retourne. Ou c'est dans l'histoire principale? Une lettre, oui. Oui, bien sûr que je vais te remettre. Elle s'appelle Sanya, elle se trouve à la basse cité. D'accord. Oh, j'ai un peu de voiture si je vais pas au marché. Basse. Je me suis fait mal à la jambe en prenant la fuite, ils vont bientôt distribuer la nourriture, mais je ne vais pas pouvoir y aller dans cet état. Oui, je vais y aller à ta place. Tout ça, la nourriture est prête. C'est beaucoup de monde. L'odyssée est chaude. Et du coup, il faut que je lui fasse quelque chose ou... Pardon, j'ai distribué tout à l'heure. Attendez un peu. Je sais pas. Je vais y retourner lui parler. Peut-être qu'il faut que je distribue autre chose. Nourriture. Oh, vous êtes trop tard. C'est bon, je sais comment c'est payé. Ouais. Je crois. Je sais pas ce qu'il veut. Je vais parler un peu à tout le monde. Peut-être que... Enfin, je vais reparler. De toute façon, il se cache, donc regardez ce qu'il dit. Les environs, il pourrait bien... Ouais. Voir ça, hein. Bonne soirée, Minouche. De toute façon, je vais pas tarder aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Hey, j'ai trouvé un coffre trésor dans le champ enneigé à l'est. Au moment de l'ouvrir, j'ai aperçu un monstre des glaces au loin. Très intéressant, ça, le coffre. Une graine de force. Nuit blanche? Ah non, pas du tout une nuit blanche. Pas du tout la nuit blanche là. Ok, on va aller là. Tente dortoir. Non, bien, vous allez prendre le nid, ok. Là, c'est pour se reposer, d'accord. Non, on ne pose pas. Le coffre. Bouclier global maxi. Ah! Trouver la magie. Ah oui, par contre, le collecteur de rebirth, moi aussi, là, c'est nuit blanche. Obligé. Voir ce qu'il y a en bas. Sur mon deux jours en avance comme FF16. Ça arrive moi-même, je loupe pas mal de live pour pouvoir gérer sa vie.
Y'a rien? Bon bah y'a rien. Ok. Rien, j'ai rien. Twitch, que ça m'étienne est sur le Valorant, ça me fait quand même bien triper. Non mais c'est clair, j'avoue lui. Je vais recevoir le 28. J'achète une autre manette à la sortie de Reverse au cas où je la jette par la fenêtre. Ouais donc Je vais vous dire c'est les monstres lui. Comme toi mon frère. Ah non il pourrait. Niqué, mec. Il va le dire, il va pas le dire. Là. Ah bon, on s'est bien fait niquer sur les points de fidélité. Mongol, pas mal. Le Y par un M. Attendez. Du coup, je vais quand même. Je vais quand même aller voir. De l'autre côté, là. Du train. Un verre glacé. On va y aller, hein. C'est une quête, hein. Allez, j'abandonne pas. Et puis après, ce sera la fin. Au moins, on aura pris la revanche. Aïe, aïe, aïe. Et là, vous allez voir, je vais jamais les avoir, les mecs. Classique. Hello. Ouais, au Ventus alors. Ça, je sais jamais. C'est ça. Ça sert vraiment rien, hein. Petite pute. Ah non, c'est pas Ventus. Ça va être. Des terrains alors. Pas trop des commandes dans les options. Non, j'ai pas moyen. Voilà, niveau 24 elle déjà. Pour farm un peu. Ah non, j'ai pas, je crois pas avoir le l'intro, sous-titres, langue, curseur, saisie auto de combat, musique, touche de confirmation, luminosité. Non, j'ai pas. Je n'ai pas. Le 1er mars, tu vas avoir des messages, t'es pas pressé. C'est bien possible. Fatigue, je réveille à 6h. Ah ouais, non, mais ça marche. Moi, je vais juste faire la petite quête là, du coup, avec les autres mongols là, et après, j'arrête aussi. Regardez, non, je regarderai pas. Non, je veux pas regarder, je veux rien regarder, c'est bon. J'ai tout vu de ce que je voulais voir sur Rebirth. Je tiens, en vrai, c'est bon, il reste un mois à peine. Ça va, en vrai. Non, pas fini, je pense. Ça dépend si on reçoit le jeu en avance ou pas. Hein. Donc, c'est fruit, c'est honteux. Oui, voilà, oui. Je commence à me dire, les monstres... Pourquoi ils font grève? Qu'est-ce qui se passe là? Ça se dit youtubeur. La cause à vendredi et Tekken. Allez là les salopes. Bon. Ok. Ok.
Lui, il a des combos quand même. Les combos, c'est pas mal, les combos. Grand Blue aussi. À Grand Blue, je vais le démarrer, ouais. Clairement. Ah, fait chier. Il faut pas qu'il me donne ça. Ça fait mal, ça. Ah oui, je vais faire des nuits blanches de ouf moi sur Rebirth. Hein. Ça c'est clair, net, précis. Hein. Faut qu'on soit prudent. Établissement, réaction, PV, ok. Physique, ok. Magie, ça sert à rien. Vitesse. Donc la vitesse d'un membre, peut-être ça. Non, je fais rien en live. Allez, on se concentre là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Verzagoth. Merci beaucoup. C'est cool. Merci beaucoup pour l'abonnement. Tu gères. Merci à toi. Du coup. Là. Merci. Par contre, il faut peut-être que je fasse pas tout de suite parce que j'ai pas trop envie qu'il faire ça. Continue, toi. Oui, il faut que je raid après, ouais, effectivement. Le cri. Défir. Continue. On en défense 1. On va refaire un bouclier à la foot. Hein. Puis toi. Moi, je sais vraiment pas quoi te faire, toi. Fusion, virus, peur. Murmini. Ah, bah oui. C'est ça qu'il faut faire. Tiret de Bahamut. bien sûr, un petit de Bahamut, ben oui. Il ressemble à au même, lui, ouais. Il est à l'autre. Il est là, l'autre. Donc lui, c'est le feu. Le feu, on a dit que c'était Ventus. Ouais, ça doit être ça. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est contre la terre, alors. Je pense que c'est ça. Ok, les gars. Ok, les gars, ok. On y est, là. Là, on fait pas de la merde, là. On va y aller tranquillement, voilà. Toi, tu te remets de la PV. Même si c'est des 100 PV, c'est des 100 PV, ok? Voilà, lui, il se fait démarrer. C'est parfait. On se remet un petit peu de mur, voilà. La table des types, ah ouais, mais moi la table des types. De toute façon là il faut qu'on gère ça. Il faut qu'on le démarre. On n'a pas le choix, il faut qu'on le démarre. Et toi tu. Ça met quelques PV, ok. Je vais lui remettre aussi, tiens, on s'en fout. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, parce que là il va taper, il faut qu'on soit prêt. Okay. Là il fait mal, lui, il fait mal. Il est pas très gentil. Voilà, fais ton cri, je m'en fous, moi je veux l'autre, moi. Je veux que l'autre. Tout ce qui m'intéresse, c'est lui. Là. On recommence, on lui fait des plantes. Hein, d'accord?
On lui fait des plantes et on peut même aller le taper. Tu peux même aller le taper avec ton combo, bah, bien sûr. Bien sûr que tu peux le faire. Va, mon ami. Le fils de Roban, il fait trop le mec, ouais. C'est vrai qu'il fait trop le mec. Ça y est. Lui, j'ai démarré. Attends, mais je l'ai tué. Pourquoi il peut encore? C'est de l'arnaque? Je me suis fait arnaquer? Les gars, je me suis fait arnaquer. Il devait fuir, il m'a dit l'autre. Il m'avait dit. Kimito. Il m'a menti l'autre. Il est démarre, il est solo, en mode solo. Vous avez vu l'autre? Il m'a menti. Alors c'était le dernier? C'est le dernier cri qu'il pouvait faire? Non, attaque pas, attaque pas, attaque pas. J'espère que c'était... Ils vont pas refaire. Hein. Je pense que c'était le dernier, je pense que c'était plus à rappeler là. Pas de quoi, 200 heures, 130 heures sur image, lui il est 100 heures, ah oui d'accord. On veut parler d'FF12 et de mes heures peut-être. C'est ça que vous voulez? Parler d'FF12 et de mes heures? On peut, hein. La victoire. Oh là, la victoire, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Feuille de mistral, œil de bête, chair de monstre, feuille de tornade. Ok, c'est bon. Ça n'a pris. Ok, d'accord. Par contre, ouais, on monte que d'un niveau en fait à chaque fois. Un niveau. Pas forcément. En fait, tu peux pas farm comme tu veux. Oh là là, on a réussi, on a réussi, on a réussi, on a réussi. Yes, yes, yes. Merci. On va aller voir le chef direct, il va nous donner sa récompense directe. Ah, c'est vous, sympa, griffe, si, merci, j'arrive pas à croire, vous avez sauvé la vie de tous les réfugiés, merci. Récompense, torche sacrée, anneau sacré. Ça, c'est une belle récompense, ça, pour la souffrance que j'ai faite. Alors, c'est qui? C'est toi. Ok. Et l'anneau sacré inflige un important dégât de vent, inflige un lourd dégât aux ennemis mécaniques. Ok. On va voir. Toi, c'est inflige un dégât d'eau, lourd dégât et absorbe. Toi, tu as absorbe une quantité PV de mes couilles. Là, on va. Tu vas refaire ça, toi. C'est pour toi, l'anneau sacré. Maintenant, on se repose, on sauvegarde. Et la suite, plus tard, hein, parce que là, il faut que j'aille me coucher, là. Je suis très très content. On a quand même avancé. Hein, voilà. C'est déjà pas mal, ce qu'on a fait. Moi, je suis très très satisfait. On a réussi à battre ces enculés. Et puis voilà, sur FF16, j'ai 145 heures avec le deuxième qui est... Genre, dormir, c'est mieux que le Stodicé. Non, absolument pas. Mais bon, voilà quoi. Je suis obligé. Peut-être la fin de cette semaine si tu streams beaucoup. Exactement. Mais alors, c'est y a rien de sûr. Hein. Faut pas s'emballer. Le meilleur FF, oui, c'est le meilleur FF. Je le dis, je le revendique encore une fois. Donc, level 105, etc., j'imagine. Donc, oui, je vous tiens au courant pour le stream. Si vraiment il n'y a pas.
Si je peux pas streamer plus que prévu, je stream, voilà, vendredi soir, comme d'habitude. Mais autrement, si je peux, je streamerai et demain soir, et mercredi soir, et vendredi soir, ok? Et samedi soir... Ah non, samedi soir, non, non, je peux pas, samedi soir, je peux pas. Mais voilà, normalement, je ferai ça. Maintenant, à voir si vraiment je peux faire ce que je veux. Petit débat, ce fin de live qui t'a super, c'est Kikuchi. Non, parce que les débats, ça va durer 30 ans. Et je peux pas, là. Là, il faut que j'aille dormir. Je me lève tôt, quand même. Demain matin, aussi. Donc, voilà. Sur ce, bah écoutez, Yoko Taro et FF17 ont pris fort. Ont pris très, très fort. Bah moi, en tout cas, c'était un super live. Je suis content, parce que on avance un petit peu et tout. On est content, on est bien. En plus, je vous ai vraiment dit ce que je pensais de ce Lost Odyssey. Voilà, meilleur FF. Voilà, j'aurai pas sommeil. Ah si, je vais avoir sommeil, mais à mon avis, je vais l'enculer le sommeil. Je vais faire 2-3 heures de sommeil, et puis je vais me taper des journées de 15h, 15-16h de jeu. C'est obligé. En plus, c'est pas en mes vacances qui sort, donc je vais le bouffer. Vraiment, je vais le bouffer. Donc voilà, bah écoutez. Est-ce qu'il y a des gens à raid? Avant. Est-ce qu'il y a des gens à raid? Il n'y a personne à raid, on s'en va et tranquille. Et tranquille. Mais est-ce qu'il y a des gens à raid? Alors, j'enlève. Il faut que je prenne mon petit fil, qui évidemment je vais devoir me baisser encore une fois comme d'hab. Apparition. Et apparition. Re magique. Voilà. Attendez, ça me casse les couilles. Voilà. Ludic, ah ouais, il y a Ludic, effectivement. Ludic est en train de live. Je pense qu'on va tout simplement aller raid le copain Ludic. Hein. Je vais couper le son de ça. Il y a que toi sur le Lost Odyssey, c'est la première fois que je vois ça. Bah écoute, il y a un Kazakhstanais qui joue FF tous. Bon, sur un jeu pour bien profiter un max. Mais oui, il faut prendre le temps. Écoutez, on va aller faire un petit coucou au copain Ludic. Il est où le raid? À chaque fois, je le cherche. À chaque fois, je le cherche. Il est dans sa raid. Voilà. Aïe, 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 aïe. Pas possible, ça. Ludic. Pourquoi je le trouve pas alors que je le suis? Ludic, voilà, Ludic. On lance le raid. Voilà, on lance le raid. Écoutez, on va pouvoir lancer le raid. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant pour les lives demain ou pas. Et puis voilà. Bonne soirée, à bientôt. Ciao!